Assemblée des élus de Paris, nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Na pamboli lisusu nzambe na biso. Je bénis mon grand notre Dieu. Pour na opportunité sousu apesi biso kokutana na ngonga oyo. Pour cette opportunité que nous avons donné pour Dieu en ce moment. Na lingi to partager penser oyo sousu nzamba tenga à cœur. J'aimerais qu'on partage encore cette pensée que Dieu m'a mis à cœur. Et longo na biso ensemble. Tous à la même vraiment pensée. Que nous ayons la même pensée. Tant que tous à l'iba aigle. Tant que nous sommes des aigles. La lingi penza awa tovanda likolo. J'aimerais qu'ici nous puissions vraiment rester en vie. Nous sommes vraiment à son gabiso. Que Dieu nous aide. Je sais que beaucoup de gens connaissent ce verset. La lingi to partager d'abisso ensemble cet verset. J'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble ce verset. Il y a histoire, il y a Samuel. De l'histoire de Samuel. Tout en guina un Samuel. Nous allons lire dans 1 Samuel. Chapitre Nango 3. Chapitre 3. Na verset Nango 3 à 10. Du verset 3 au verset 10. La Bible dit ceci. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie lui répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été relevée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et dit à Samuel, « Va te coucher, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle-moi, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Samuel, Samuel, Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » La parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Histoire oyo biso nyonso toyebi yango. Cette histoire nous tous nous la connaissons. Na ba chanson na biso religieuse. Dans nos chansons religieuses. Ba yemba yemba yango. On l'a chanté plusieurs fois. Partout dans les cas na ba zela dans les cas ba église. Partout nous marchons dans les églises. To yoka yoka yango. On entend cette chanson, on entend parler de ça. Ngape na yoka yango lokola bino. Y compris moi, j'ai aussi entendu comme vous. Mais nzamba sali biso grâce. Mais Dieu nous a fait grâce. Les lots me kako comprendre na mona façon. Aujourd'hui nous puissions le comprendre d'une autre façon. Na autorité mon sous. On prend une autre autorité. Tant on a zala qui ko méditer sur cette parole. Lorsque je suis en train de méditer sur cette parole, un jour, tout cela qui n'a des cours.
frère Bayama. On a parlé avec le frère Papi Bayama. Tous ceux-là qui ont partagé. On est en train de causer, on partageait. Abimis la kenga pe penser oyo. Il m'a fait sortir cette pensée. Nefse ande konga pe mikole kai na no méditer en haut. J'ai dit ça fait beaucoup de jours aussi que je suis en train de méditer là-dessus. Mais quand on écoute ça va penser en oyo yo yo ka. Essaye de me démontrer en fait la pensée dont toi t'as entendu. Naye baso ki na penser en ekoko za la pareil. Pour comparer avec ma pensée pour voir si c'est pareil. Abi non, bon, il y a un pasteur dans l'Anda. Non, il m'a dit non, c'est un pasteur que j'ai suivi jadis. Bon, il y a le banni dans la lettre. Hein. Bon, lui, il avait juste lu la lettre. Le pasteur a expliqué. Le pasteur avait expliqué. Acte où il y a Élie, il n'y a pas Élisée. Et pardon, il y a Samuel, il n'y a pas Élie. L'axe de Samuel d'aller vers Élie. Pasteur, on a interprété en haut. Ce pasteur a interprété. La vie chrétienne. La vie chrétienne. Donc ils ont 5 ans à Bishoba fidèle. Ça nous demande à nous les fidèles. Il faut tous à la bannière et avoir un père spirituel. Il faut que nous puissions avoir des pères spirituels. Parce que père spirituel, parce que ton père spirituel, ça n'a pas comme souci de comprendre. Il y a certaines choses que toi tu ne vas pas comprendre. Mais père spirituel, n'a pas aidé. Mais ton père spirituel sera là pour t'aider. Donc par là, Samuel. Par là, Samuel. Élie a Zala qui père spirituel. Élie était son père spirituel. Et alors, Samuel, voilà pourquoi Samuel. Azale pour comprendre, tiens, qui pas Élie, Élie de Moutou, avec que ça qui aura attention que Zambé de Moutou. Il comprenait pas, voilà pourquoi il est parti vers Élie, et Élie lui a donné l'orientation pour dire que Dieu t'a amené. Et c'est important qu'on ait un père spirituel. C'est important d'avoir un père spirituel. Ok, mais son évangile, au tout le bas, non. Or, nous, dans cet évangile, on dit non. Moutou cause un père spiritualité. Une personne ne peut pas avoir un père spirituel. J'avais compris que nous n'avons pas la même pensée. Parce qu'un père spirituel, le Kolaza Moutou, vu qu'il est humain, voulu pas à couper son père. Voulant pas, il va te faire tomber dans des erreurs. Parce que ça Moutou. Parce que c'est un humain. Mais or que tu es le véritable père spirituel. Or nous savons que le véritable père spirituel, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, la paix s'accalo, oui, attention. C'est lui qui donne le rendez-vous. Oui, échoue à Kati. C'est lui qui échoue pas. Oui, à Zalakanere. Il ne fait pas d'erreur. Tout mon histoire, Oyo. Nous voyons cette histoire. Il y a Samuel. De Samuel. Tu as vu l'histoire Samuel, il y a ses rétrofas qui n'a. La présence ensemble, mais nous avons dit temple. L'histoire de Samuel, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, on est allé le déposer dans le temple, près de lui. Et ça là qui fait maman naïe Anne Asalaki. C'était le vœu que sa maman Anne avait fait. Un jour, il y a l'autre. Un jour, Babi Samuel Alalaki. La Bible dit Samuel s'endormit. Zamba bengi Samuel. Dieu appelle Samuel. Samuel Andimi. Samuel accepte. Mais Samuel, quand Andimi, Abimi n'accueille pas Eli. Mais Samuel est sorti pour aller vers Eli. Ayebisi Eli. Il dit à Eli. Mais voici. Me voici. Parce que je parce que tu m'as appelé. Eli a dit non, je n'ai pas appelé. Eli dit non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne à te coucher. Pour la deuxième fois, la Bible est à l'issue. Pour la deuxième fois, la Bible montre. Zamba Bengi Soussou. Dieu appelle encore. Samuel. Samuel a dit. Samuel accepte. Mais Abimi a quelqu'un qui a toujours et pas il y a Eli. Il fait la même chose, il part encore vers Eli. Il a l'obité à Bengiote. Et il dit non, moi je ne t'ai pas appelé. Retourne, va te coucher. Pour la troisième fois, son Zamba Bengi. Pour la troisième fois encore, Dieu l'appela. Samuel a dit. Samuel accepte. Abimi a qu'est-ce que c'est pas Eli. Il sort et il va encore vers Eli. T'as pas commis pas Eli. Lorsqu'il arrive chez Eli. Aïe, mais c'est Eli. Il dit à Eli. Eli a l'obité à Bengiote. Eli dit moi je ne t'ai pas appelé. Mais Eli est après qu'on saisit. C'est là que Eli va comprendre. Qu'était. Que non. C'est Dieu qui est en train d'appeler cet enfant. Ayebisi Samuel. Il dit à Samuel. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Soko yoki mungongo wana. Si t'entends cette voix. Loba Seigneur. Dis Seigneur. Me voici. Me voici. Parle. Parle. Ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Toutangi. Nous allons lire. Na Job 33. Dans Job 33. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Job 33, 14 à 15.
Lisons Job 33, 14 à, voilà, 14 à 15. À 15. Ok. La Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il n'en y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. La parole du Seigneur. Amen. Awa Job bazotali sa biso. Ici Job nous demande que Nzamba lobaka na balolenge bele. Que Dieu parle de plusieurs manières. Nanzela ba songe, par des songes, nanzela ba vision, par des visions. Mais biso net ozala attentif te. Mais c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Tolingi to yeba. Nous voulons savoir. Tanzambe Job azolo ba yango. Lorsque Job le dit. Que mutune azalaka attentif te tanzamba zobega azolo ba. Que c'est l'homme qui n'est pas attentif lorsque Dieu appelle. Nanzela ba songe ben nanzela ba vision. Par des songes et des visions. Or que toi tu comprends les photos yeba mutu ango ezalaka nani. Or nous devons comprendre qui cette personne. Oyo de azalaka attentif te tanzamba zolo ba. Il n'est pas attentif lorsque Dieu. Tanzamba zo se révélé na ye. Lorsque Dieu se révèle. Nanzela ya songe. Par des songes. Nanzela ya ba révélation, il y a rêve, pardon. Par le rêve. Et ça la kande nani. C'est comment? C'est que Zana Batu. Donc il y a des gens. Où est Zana Moutou? Où il y a une personne. Oyo, à Koka Koza l'attentif, t'étais en Zambalo, Bakananzela, bah songe. Il n'est pas attentif lorsque tu parles par des songes. Nanzela, vision. Par des visions. Donc c'est que Zana Pena Moutou. Donc bien sûr. Oyo, à Kopena Kanzam, mettant à l'obakana songe. Tu comprends Dieu lorsque tu parles. Tant à l'obakana vision. Lorsque tu parles par des visions. Na habite so to comprendre en ce. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Amen. Et ça n'a pas mususu. Il y a certaines personnes. Bible a Job azotali sabiso. Si Job nous montre. Et ça n'a pas tout biso neto za katantu teta nzamba zolo bela biso. Donc ils ne sont pas attentifs lorsque Dieu nous parle. Mais donc dit ma c'est que ça n'a deux catégories abattoir. Donc nous croyons qu'il y a deux catégories de personnes. Et ça n'a pas tout mususu ta nzamba lobaka. Il y a certaines personnes lorsque Dieu parle. Bah, comprennent la carte que ça l'engage ensemble. Ils ne comprennent pas que c'est le langage de Dieu. Mais ça n'a pas tout moussoussou. Mais il y a d'autres personnes. Quand vous en parlez, lorsque Dieu parle, bah, comprennent que ça n'a pas tout moussou. Ils comprennent que c'est Dieu qui parle. Amen. Yango domoni Samuel awa. Voilà pourquoi nous voyons ça. Tamuzamba zobenga ye. Yazo kende vers Eli. Lui part vers Eli. Yazo ye bate kenzambe mtaobenga ye. Oui, c'est pas que c'est Dieu qui l'appelle. Babengiye pour la première fois. On a prié pour la première fois. A comprendre que c'est Jean Zambé. Il n'a pas compris que c'était Dieu. A que pas Eli. Il est pas touché. Babengiye pour la deuxième fois. On a prié pour la deuxième. A comprendre karaté. Il a toujours. A que pas Eli. Il est parti vers. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois. A comprendre karaté. A que pas Eli. Il est parti vers Eli. Tu comprends de cette personne là. Comprenons cette personne. Ah ouais, nasi ba aigle ba zo comprendre. Amen. Na lingi penza, na zala penza, na facilité biso. Et za lokola biso nyo son eza boto sa l'exercice. Bon, ici je crois que les aigles ont déjà compris quelque chose. Donc on puisse moins faciliter la tâche à tout le monde de comprendre. Que la manière dont je vais parler. Donc déjà est là pour comprendre. Que chacun parmi vous puisse déjà prendre les langues pour partir. La ligne pénale a fondé la pensée n'abisso. Je mérite d'ouvrir mon pensée. Que nous tenions vraiment à côté de la pénale en pensant et Zakatinza en bâtir Katina. Que tout le monde puisse vraiment entrer dans la pensée que Dieu a mis au monde. Nasi marche on a mis qu'au pêche à mouquet. Je pense que la marche dont j'essaie de marcher. Moi, mémoire, il y a bisso et je fonds ma bisso. Notre mémoire s'ouvre petit à petit. Trois fois Nzamba Bengi. Samuel. Trois fois Dieu a appelé Samuel. Mais Samuel a compris de que ça Nzambi. Mais Samuel n'a pas compris que c'était. Mais Samuel a donc compris de que ça Eli. Mais Samuel comprend que c'était Eli. Bien aimé. Bien aimé. Oui, bien Nzambi. Vous savez Dieu. Asa vraiment va bien aka. Asa ben un grand metteur, donc metteur en scène, je crois bien. Donc c'est un grand metteur en scène. Nzamba yebo donc nzamba tant a sala film na ye. Donc lorsque Dieu prépare, il organise son film. Donc yemo ko ndenga zaboye lui-même ayeba ko créer ndenga zaboye makambu nyonso. Il sait créer toutes choses. Ayebi ko placer mutu na mutu ne sika na ye. Il sait placer chacun à sa place. Pour na yeba ko jouer rôle. Pour jouer le rôle d'un rôle. Pour te filmer ça la malade. Pour que ce film soit bon. Or,
que or toyebi na ba chantre, nous savons que parmi les chantres, frère Gloire est un musicien, yebi. Le frère Gloire est un chantre, il sait. Nous autres aussi. Et ça, on va chanter au Yobaja, pendant la qualité, pendant la musicien. Il y a des chants qui ont des qualités de musiciens. Au moins, on a aucun côté studio. Vous allez voir, il part dans un studio. À quel côté studio? Il part dans un studio. À quel ça l'album parfois, même s'il y a deux ou trois ou quatre chansons. Il part faire un album de deux ou trois ou quatre chansons. Mais dans quatre studio. Mais dans le studio? À côté Yemoko, il entre tout seul. À quel Koyemba, il part chanter. Mais à quel qu'on travaille trois fois Yemoko, il part travailler trois fois lui tout seul. Voix qui a Moko Sali, première voix. Il fait la première voix. Moko Sali, deuxième voix. Il fait lui-même la deuxième voix. Mais il fait la ténor. Et il fait aussi le ténor. Mais une seule personne. Mais une seule personne. Mais a travaillé trois voix. Et il a travaillé trois voix. Na Katia studio. Dans le studio. Asaki Yemoko. Il était seul. Mais tant l'album est bima. Mais lorsque l'album sort. Bato ba yemi teke. Il y a Zala qui est studio pour nous. Les gens qui ne savent pas qu'il était dans le studio. Oh, il va participer. Pas quitter ici. Quand il y a Zala qui va voir. Il n'avait pas participé là où on enregistrait. Mais quand on a eu une chanson. Lorsqu'ils écoutent la chanson. Alors, on a eu trois personnes. On a eu trois personnes. Parce qu'il y a eu première voix. Pas si longtemps la voix. Il y a eu deuxième voix. Il y a eu un ténor. Il entend sur le ténor. Là, où tout le temps, il y a eu. Là, lorsqu'il a fait le chant. Sauf qu'il y a Zala qui n'était pas à Zala qui enregistrement. On a eu trois personnes. Bah, il y a trois personnes qui ont joué. Mais ils ont joué. Il y avait qu'une seule personne. A joué rôle. Voilà. Il a joué sur rôle. N'est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si on s'en prend. Nzambe Nabiso. Ici notre Dieu. Ajoua Kabarol Nyo Suyemoko. Il joue tous les rôles tout seul. Awa quand on jouait tant que papa. Ici il joue. Awa quand on jouait fils. Là-bas il joue. Awa jouait tant qu'esprit. Et l'autre joue comme le Saint-Esprit. Mais ça n'est qu'à Moutoumoko. Mais c'est une seule personne. Il faut qu'on te paye Nzambe. Il faut rentrer. A que dès qu'on tourne le film Naye. Là où il est en train de jouer. Faut comprendre que c'est une seule personne. Pour comprendre que c'était qu'une. Mais a joué trois rôles. Qui a joué trois. Yemoko Kaka. Oui. Ah, la commande Samuel. Ici, nous voyons Samuel. Trois fois, Zamba Benguier. Trois fois, Dieu l'appelle. À comprendre rien. Il ne comprend rien. À comprendre rien. Il n'a rien compris. Totangi, Esaïe. Esaïe. Chapitre 6. Esaïe, chapitre 6. Verset numéro 10. Isaïe chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. La parole du Seigneur. Amen. Totangi Actes des Apôtres. Nous avons lu Actes des Apôtres. Dans verset Nango. Dans verset 28. Actes 26. Non, 28. 28. Dans chapitre verset 20, 27. Verset 27. La Bible dit ceci. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne sois et que je ne le guérisse. Amen. Hein? Amen. Tomoni deux versets aussi mis ancienne alliance. Nous avons vu deux versets. Toi et aussi mis nouvelle alliance. Nous avons touché l'ancienne alliance. Tomoni va parler bisokaka likamomoko. Nous avons vu que ça nous parlait de la même chose. Bible les autres alisabiso. La Bible nous demande. Zambazo rendre peuple oyo. Dieu rend ce peuple. Akangi matoi na bango. Il a fermé leurs oreilles. Pour qu'ils ne puissent pas entendre. Akangi misona bango. Il a fermé leurs yeux. Pour qu'ils ne puissent pas voir. Là par là, que l'on n'a pas comprendre. Parlant, nous voulons. Que Dieu ferme le visage. Il ferme les oreilles. Est-ce que miso nzambo azokanga? Est-ce que le Dieu que Dieu. Et zaraka miso physique. C'est le Dieu physique. Est-ce que mato nzambo azokanga? Est-ce que le Dieu. Physique. C'est les oreilles physiques. Dans le bas, non. Nous disons non. Et ça la kamato et ça la spirituel. Nous voyons que les oreilles sont spirituelles. Et ça la kamiso et ça la spirituel. Les yeux qui sont spirituels. Par là, dans mon amour, vous m'aillez à Samuel. Par là, nous voyons le mouvement.
Samuel. Trois mouvements Samuel a fait. Les trois mouvements que Samuel a fait. Donc, comprendre les Alandais, peuple Israël. Vous voyez que c'est le peuple d'Israël. Israël. Israël. Oh, il y a assez, ma belle. Israël terrestre. Et Zaneye. C'est lui. Oh, Kolo Kanga Litoy. Que Dieu a rendu ses oreilles. Oh, Kolo Kanga Miso. Que Dieu a fermé ses yeux. Bako Kiko Yo Kate. Ils ne peuvent pas écouter. Oh, Zali Zambé. C'est que Dieu. Oh, Zali Bako Kiko Monate. Ils ne peuvent pas voir. Oh, Zali Zambé. C'est que Dieu. Zamba rendre Bango Ba insensé. Dieu les a rendus insensés. Samuel a fait ce tour là. Natura mouvement. Dans ces trois mouvements. Dans mon alik. Nous voyons Luc. Et Alisabiso. Luc qui nous démontre. Luc 24. Luc 24. 44. 44. Et Yves Azoloba. Jésus dit. Nanzela et Maus. À part de la Maus. La loi. La loi. Les prophètes. Les prophètes. Et les pisseurs. Et les pisseurs. Et Jacob Lobelanga. Ça ne parlait que de moi. Ok, dans mon awa. Mon fouma. Samuel a fait ça. Le mouvement que Samuel. Zamba bengi est trois fois. Je l'appelle trois fois. Première fois. Première fois. Et ça peuple Israël, toi, avec ça, ma belle. C'est le peuple d'Israël. Zamba tant a fait un gaillé. Parce que Dieu l'appelle. C'est la loi. C'est la loi. Azo koki koto sa loi. Il ne obéit pas la loi. A quel pas Eli. Il part chez Eli. Eli habille Zomba. Eli retourne. Deuxième fois, Zamba Bengi. C'est le prophète. Aïe, on prend des cacatés. Il n'a pas toujours. Aïe, qui cacatés. Il n'a pas toujours. Accueillez pas Ya Eli. Il est parti chez Eli. Et là, le binaïe Zonga. Et là, il retourne. Troisième fois. La troisième fois. Les pissomes. Les pissomes. Aïe, qui cacatés. Il n'a pas écouté. Accueillez cacapa Eli. Il est parti chez Eli. Eli a saisi. Eli a saisi. Donc, comprendre. Nous comprenons. Peuple Oyo. Le peuple. Missonaïe. Ses yeux. Et ça l'a toujours branché. C'était braqué. Quelque part Moïse. Que chez Moïse. Yes, on comprend des embêtés. Lui ne comprend pas Dieu. Yes, moi, n'a qu'à faire Moïse. Lui, toi, tu Moïse. Yes, tu as espoir, n'aie pas Moïse. Lui, ses yeux sont braqués. Le col a mis Moïse. Lui qui connaît Moïse. Oh, il appelle ça Bango. Qui leur a donné. Amène la Bango. Qui leur a amené. Baloua. Les lois. Les prophètes. Les prophètes. Les pisseurs. Les pisseurs. Missionnaires, t'as la cacota Moïse. Ses yeux sont braqués. Oh, qu'elle zemba kanga Bango Misso. Oh, tu l'as amené. Zemba kanga Bango Macho. Tu l'as amené. Les gens en bende, c'est Dieu. Aranda bango be sensé. Les a rendus insensés. Pour pas comprendre le langage en bende. Pour pas comprendre le langage de Dieu. Tango Élie, pardon Samuel. Lorsque Samuel. Aucun des prêts à Élie. Il parle auprès d'Élie. Élie aussi. Élie aussi. Tout comprendre. Nous comprenons. Première fois. La première fois. Élie a saisi sa quitté. Élie n'avait pas saisi. Deuxième fois. La deuxième fois. Élie pas saisi sa quitté. C'était pareil, il n'avait pas saisi. Troisième fois. La troisième fois. Élie pas a saisi sa quitté. Élie n'avait pas saisi. Mais et après. Aïe qu'on comprendre. Il a compris. Que non. Que non. Et ça langage ensemble. C'est le langage de Dieu. Aïe mais c'est Samuel. Il a dit à Samuel. Kende, vas-y, kolala, va dormir. Ce qui va bien, si on t'appelle, ce que yo qui voit, si on t'en sait toi, sache que c'est Dieu. Le bac en zambé, dit Dieu. Ton serviteur a son yokayo. Ton serviteur t'écoute. Mais bien aimé, tout en lire Romain, nous allons lire ton livre de Romains. Dans Romains 11, chapitre verset 8. Dans le livre de Romains 11, dans verset 8. La Bible dit ceci. Ah, excusez-moi, j'ai fait le point. Romains 11, verset 8. Voilà. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit. À ce jour, ah, juste à ce jour en fait. Oh. Voilà, après c'est la Suisse. Mandez-le par là, s'il te plaît, répète. C'est là qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Amen. Amen.
Nous voyons que ici on nous montre la même pensée que Que c'est Dieu qui a fait. Voilà, voilà. C'est un metteur en scène. Il joue le même tous les rôles. Lui-même il a bouché les oreilles. Il y a peuple de ce peuple. Parce que Nzambe yebaki il y a aussi un peuple. Puisque Dieu savait qu'il y a aussi un peuple. Que peuple on appelle Nakana. Besoin d'ailleurs. Il faut n'aller au peuple ou non. Le quoi le peuple a tout sangaité. Puisque ce peuple n'a pas. À rendre rien censé. Dieu les a rendus insensés. Parce qu'il y a un peuple. Parce qu'il sait qu'il y a un autre. Il faut n'aller au peuple mon sousou. Il faut que je puisse aller. Oh le peuple ou non a kobenga pene nanga. Ce peuple est attiré vers moi. Oh peuple on a dit qu'au tout sanga. Je sais que ce peuple va obéir. C'est par là que on monte. C'est par là que nous voyons. Tant où Samuel a zoya par Élisée. Lorsque Samuel vient auprès d'Élie, il y a troisième fois. Pour la troisième fois, Élie tant qu'azo saisi. Élie lorsqu'il saisit, tant qu'azo tinda, il y a que zonga kende kolala. Lorsqu'il lui demande d'aller dormir, la troisième fois wana Élisée tant qu'azo que saisir azo zongi ça y est. La troisième fois lorsque Élie est en train de saisir pour le faire retourner. Retour où on est salaka, Samuel a son baka. Le retour dont Samuel est en train de retourner ce moment. Et salaka nous l'église. C'est nous l'église. Et salaka nous l'église. C'est nous l'église. Là maintenant. Là maintenant. Israël. Israël. Alimoué. Il a disparu. Oh, la zone, la troisième fois, on a. Celui qui ou il y a quatrième fois, voilà trop là-bas. Et ça la casse, nous l'église. C'est nous l'église. Pourquoi ça la casse, nous l'église? Pourquoi c'est nous l'église? La personne qui saisit. Oh, la zone, il ça, Samuel a comprendre. Celui qui fait retourner Samuel a compris. Que t'es ça la canne? Nzambende mutazo benga. Donc il a compris que c'est Dieu qui l'appelle. Et ça la canette Jésus et mon collègue Christ. C'est Jésus lui qui le dit sur lui-même. D'autant à Jean 14. Nous allons lire dans Jean 14. Dans verset numéro 6. Jean 14, dans son verset 6. 6 à 7. Dans son verset 6, le 6 au verset 7. 7. La Bible dit ceci. Jésus dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père, et dès maintenant, je le connaissais et vous l'avez vu. La parole du Seigneur. Amen. Mais bien-aimé, envoyez soyez du service au bruit. Bien-aimé, ici Jésus nous dit. Alors, il dit. Personne ne va auprès du Père. Soka l'équipe qui va y n'engager. S'il ne passe pas par moi. Donc, on ne n'est pas le Père. Donc, pour aller chez le Père, il faut les canards ne pas y n'engager. Il faut passer par moi. Ok, t'es au monde, Samuel. Samuel. Toi, vous vous mettez au Kende. Les trois mouvements. Ok, vous devez bien gagner, ça n'a qu'à le Père. Oh, la personne qui a. Ok, Samuel, encore, qu'elle n'est pas le Père. Oh, Samuel ne veut pas aller vers lui. Soka y'a qui le fils, il n'écoute pas le fils. Il faut y'a qui le fils. Il faut qu'il écoute le fils. Comprendre que on a ça le Père. Oh, que toi, Moufouma. Oh, les trois mouvements. Samuel a yoka papate. Samuel n'a pas écouté le Père. Élie. Élie. Ah, Zara qui le prophète. Il était le prophète. A toqué comme ma peuple auprès du Père. Il pouvait pas emmener ce peuple. C'était Jésus. C'était Jésus. Oh, il y a même ma mission auprès du Père. Il nous a emmené auprès du Père. Donc, comprendre. Vous comprenez. La quatrième personne. La quatrième personne. Élie a donc saisi. Élie qui saisit. Que Jésus Zanzambé. Que Jésus Zanzambé. C'est Jésus. Jésus nous a orienté maintenant. Jésus qui nous a vers le Père. Vers le Père. Samuel dans un zonga. Samuel lorsqu'il est. Dans un yoka mungongo. Dans un zonga, mais voici. Parlez-moi. Que ton serviteur écoute. Parle-moi. Et cela connaît nous l'église. C'est nous l'église. Oh, tu comprendre. Nous devons être mis auprès du Père. Et ça l'a rendu Jésus. C'est Jésus. Parce que Israël, parce que Israël, il n'a pas reçu. Parce qu'il a rejeté le fils. Parce qu'il a rejeté le fils. Il y a un mot qui comprendre. Ce mouvement, il y a le fils, c'est pour nous qu'il n'est pas un papa. Il faut les canards et pas le fils. Il faut passer par le fils.
Yangona zongi na pensée au tosholenga ndeko bayama. Voilà pourquoi je vais retourner à la pensée dont j'ai parlé avec le bien-aimé Bayama. Tout comprendre. Nous allons comprendre. Eli. Eli. Oya zovanda. J'ai dit assis. Parla tantôt le bas le père spirituel. Parla dans ce que disons le père spirituel. Il faut aller auprès du père spirituel. Il faut que nous soyons auprès du père spirituel. Parle ça la révélation. Par la révélation. Tout comprendre maintenant. Nous comprenons maintenant. Le véritable père spirituel est à Christ. Le véritable père spirituel. Parce que Eli a voyé mon gars sans comprendre le langage en Zambété. Parce que Eli lui-même là, il ne comprenait pas le langage de Dieu. Je devrais vous dire ceci. Le peuple de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai essayé de l'analyser. J'ai essayé de pousser mes pensées loin dans la parole de Dieu. Na comprenant une chose. J'ai compris une chose. Que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà pourquoi je voudrais le partager avec nous. Mais bien aimé, Eli Oyo, avant d'aller au prêt ensemble, Eli qui était assis auprès de Dieu, Oya servant Nzambe na kati ya temple, qui servait Dieu dans le temple, Oya bande koyo ka Nzambe, qui écoutait Dieu, O Nzambe bande koyo utilisé, que Dieu utilisait. Mais un moment est arrivé, Eli, azale ki koyo ka son Nzambe te. Mais un moment il était arrivé que Eli n'écoutait plus Dieu. Balobi Eli tellement mis sous naïe comme qui déjà pas affaibli. Eli tellement que ses yeux commençaient à s'affaiblir. Azaï profonde a toujours n'a ses attentes naïe. Il était souvent si. Mais sa tante. Tout mon a Eli tant que Samuel a zoya auprès naïe. Nous voyons Eli lorsque Samuel vient auprès de lui. Eli azaï pour comprendre depuis l'engagement langage en s'embêter. Eli ne comprenait pas non plus le langage de Dieu. Mais bien aimé. Mais bien aimé. Dans la Bible, ce qui verset moko ndeko ozalango, un jour là meko partager nanga. Si on a versé le bien aimé Laura, un jour vous pourrez me partager avec moi. Kapande to ya kaliboso ya cher awa. Seulement tel que nous venons ici devant la chair. Là on s'est repenti. Je vais me repentir. Mais bon, Nzamba changa à cœur. Pensez que Dieu a mis en moi. Au moment où Nzambe na ba serviteur ne nio son Bible à utiliser. Vous allez voir que Dieu. Donc tous ces serviteurs qu'il a utilisés, ils en a deux volets Nzambe à saler là-bas serviteur naï. Il y a deux volets dont Dieu les a utilisés. Parce que Nzambe a kabola gloire naï na mototé. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Au moment Nzambe na ba serviteur nyo soit saler là. Vous allez voir Dieu dans tous ces serviteurs qu'il a utilisés. Au moment où Nzambe a utilisé puissamment. Vous allez voir que les serviteurs que Dieu a utilisés puissamment. Nzambe. Ils en a deux volets. Il y a deux volets. Premier volet. Nzamba a utilisé ma serviteur nous a utilisé puissamment. Dieu, c'est un serviteur qu'il a utilisé puissamment dans la vie. Un miracle, un prodige, tout est au salam. Des miracles et des prodiges. Nzamba a salam. Dieu a dit ceci. Ce qui est ligné au vivre, ce qui est ligné au vivre. S'il veut te laisser vivre, alongola grâce à Tchakatina. Ils vont enlever la grâce qu'il a mis en toi. Nguya onzamba pesayo. La grâce, la puissance que Dieu a mis en toi. Total la peine dans la Bible. Regardez dans la Bible. Bato onzamba utilisé puissamment. Les gens que Dieu a utilisés. On va continuer à vivre. Qui ont continué à vivre. Nzamba alongola grâce wana. Dieu a enlevé cette grâce. Alongola nguya wana. Il a enlevé cette puissance. Parce qu'à l'ingité koti kamutwana na nguya wana. Parce qu'il ne veut pas laisser cette personne. Parce que de peur batu bakoué bako adorer mutwana. De peur que les gens puissent adorer cette personne. Ou deuxième volet. Ceux qui bien la Bible. Si nous regardons. Le jour que Dieu a laissé avec cette puissance. Dieu l'a tué avec cette puissance. Avec la puissance de Dieu l'a tué. Afin que tu ne peux pas te laisser afin que les gens puissent t'adorer. Donc où Nzambe Nanguya abomio. Soit Dieu te tue. Pour battre ma dorée, ou que les gens n'adorent pas, ou nous avons dit qu'il y a la séance pour continuer à vivre. Soit Dieu te laisse encore continuer à vivre, on se le sert. Mais à l'ombre, il y a un acte. Il enlève cette puissance-là. Au Tikali Kara d'expérience. Tu restes avec l'expérience avec Dieu. Y a mon ami dans l'eau, voilà pourquoi je vais dire ceci.
na sali analyse. Je fais l'analyse. Ya comprendre tous les serviteurs oyo baza na mokili oyo. Pour comprendre tous les serviteurs qui sont dans ce monde. Na Congo na biso. Si nous partons même au Congo. On mona onyo so ba bima ba soit déjà ba grand. Vous allez pas faire du sortir qui était des grands. Nzamba utilisa ka puissamment. Que Dieu avait vraiment utilisé puissamment. Mais Domona lelo. Mais c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Makambo ezo le kakati na bango. Les choses qui se passent en eux. Tout na nzambe nino azo utiliser bango toujours na nguya na yi. Posons la question, mais qui est ce Dieu qui l'a utilisé encore? Là je suis sûr et certain. Là je suis sûr. Pas toi non. Ces gens-là. Nzambe sa longola grâce kati na bango. Dieu a déjà enlevé cette grâce en eux. Nguya va continuer comme ça na moti lelo banda ba banda ba kitakate. La puissance qui continue à utiliser jusqu'au. Et ça la kanguya nzambe te. C'est pas la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et ça, c'est plus la puissance de Dieu. De débit. De débit. Ton lobby, oui, il est sous Nzambe, Penda, utilise qui est. Nous disons, oui, Dieu l'a. Mais le col en Nzambe, mais puisque Dieu a permis à Moutou à continuer pour vivre un an où il ne va pas laisser une personne continuer avec cette puissance. Il y a un temps Nzambe à l'ongoli où il y a. Il y a un temps où Dieu l'a. Mais le col à l'ingas à la gare célèbre. Mais oui, il va rester toujours célèbre. Batouba Monaga, les gens doivent toujours le voir. Et à Okota Nanzela en sous. Il va monter sur un autre chemin. Bino soki boza na molimo ya komona musikate. Vous si vous n'avez pas les yeux pour voir loin. Bon, quand ça va ensemble, vous allez utiliser. Vous allez croire que c'est toujours Dieu qui est utilisé. Mais Tolobi non. Mais nous disons non. Là vraiment nga. Là moi. Bon, Nzamba tchenga kere. C'est que Dieu m'avait mis. Tolobi maintenant non. Je dis non. Bah ton mieux sur Nzamba utilisa. Les gens que Dieu a vraiment utilisé. Na na preuve moko. J'ai une preuve. Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Nzambe a utilisé puissamment la kin. Dieu l'a utilisé puissamment la kin. Je l'ai jamais connu. Mais la kinor yoke en Angola. Mais je l'ai écouté comme Angola. Nzambe a utilisé puissamment. Dieu l'a utilisé puissamment. Quand on dit puissamment, maintenant Nzambe a utilisé. Lorsqu'on dit puissamment, maintenant Dieu l'a utilisé. Mais à un moment. Mais à un moment. Serviteur, Monsieur Nzambe. Le serviteur de Dieu. Aïe Europe. Il est venu en Europe. A continué au sein de Nzambe. Il a continué à servir Dieu. Mais jusqu'à présent, moi j'ai parlé avec lui. Est-ce que tu vois comment Dieu t'utilise? Mais cette puissance où est-il parti? Il m'a répondu à mon frère. Il m'a répondu à mon frère. Même moi-même, je ne comprends pas. Mais quand on peut s'en avoir un conseil, il a commencé à donner certains conseils. Ça, je le garde pour moi. Mais. Mais, batouti lelo. Mais les gens jusqu'aujourd'hui. Bayaka l'église yuana. Ils viennent dans cette église. Na nostalgie ya makambo nzamba sa elaye. Avec les nostalgies que Dieu avait fait à l'époque. Bango atikala nango. Eux ils ont gardé ça. Ah t'es pasteur n'est-ce pas boyé. Ah non pasteur. Nzamba sa elaye azamuya. Anguya. Ayako na yeti lelo ye bango comme si nzamba kozongi sanguya wana. Lui jusqu'aujourd'hui il sait que Dieu va retourner. Maintenant on le va penza sincèrement devant vous. Mais je dis sincèrement devant vous. Nzamba otika ozongi sanguya wana. Dieu ne va pas retourner. Atikali kaka n'expérience. Il va rester avec lui. Bah, oyo nyoso bako kanza ke nzamba ozongi sanguya wana. Toutes les personnes qui pensent que Dieu va nous donner encore cette puissance. Parce que c'est trompé. Ils sont en train de se. Parce que nzamba ozo sa sanguya wana. Parce que Dieu ne va pas. De peur que bato bako mako adorer. De peur que les gens puissent commencer à l'adorer. Tomoni awa. Nous voyons ici. Yango tolobi. Voilà quoi nous disons. Eli. Eli. Azana ki kaka atikala ki n'expérience. Il avait gardé que l'expérience. Oh, il y a quoi pour Talissa pour comprendre que Samuel. Qui pouvait comprendre que Samuel. Kende, nous en bénissons, nous t'avons bien gagné. Vas-y, Dieu t'appelle. Mais dans la lettre, tu m'as dit que Esaïe, Eli. Mais dans la lettre, nous voyons que c'est. Mais dans la révélation, tu as le Baïsa, Eli. Mais dans la révélation, nous disons que c'est pas Eli. Esaïe, c'est Jésus. Oh, il y a un même abysse auprès du Père. C'est lui qui nous emmène. Oh, il y a un Talissa, mais son est le chemin. C'est lui qui nous montre. Oh, il y a un même abysse auprès à papa. C'est lui qui nous emmène vers le Père. Totangi. Nous allons lire. Hébreux chapitre 1, commençons verset 2. Voilà. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification du péché. Et
s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Bon, je continue? Non, c'est bon. C'est bon. J'ai versé de dans l'Omega. Oui, c'est bon. Donc, je commence le verset 2. Verset 2, c'est bon. Je recommence le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Hein? Amen. Ah, ouais, la Bible est ici, nous voyons que la Bible nous demande que ça donne la dernière temps Zambazolo Banela Zela fils. Que dans le dernier temps, Dieu parle. Oh, que tout le monde a mouvement. Oh, nous voyons ce mot. Trois mouvements. Le trois mouvements. Et le troisième mouvement. Le troisième mouvement. Et ça l'a le dernier temps. C'est le dernier. Oh, Zambazolo Banabiso à travers le fils. Que Dieu nous parle. Y'a moi de l'opi. Troisième mouvement. Le troisième mouvement. C'est celui et ça l'année Christ. C'est Christ. Oh, Zambazo le Bélabiso à travers son fils. C'est lui qui nous fait sa bise au temps à Zolobake. C'est ça qui nous donne dans ce ouais. Et lui, elles ont compris. Et lui comprend. Que maintenant, ils en ont les aboyés. Que même temps, là, c'est Dieu qui parle. Ils en ont les temps de fils. C'est le temps du fils. Oh, Zolobé la biso. Qui nous parle. Bisonnet aux Zingolou. C'est nous qui avons la grâce. Oh, toi, Yoka Père à travers le fils. De nous dire le Père à travers le fils. Israël a son goloté. Israël n'a pas réussi ses traces. Jusqu'à présent. Israël a son goloté. Israël n'a pas réussi ses traces. Bisous, l'élève de Yoka, ma papa. Aujourd'hui, nous écoutons le Père. À travers le Fils. À travers le Fils. Nous avons passé à l'église aux grâces. Dieu nous a fait cette grâce. Mais Israël a trouvé un goloté. Mais Israël n'a pas bénéficié de cette grâce. Parce qu'Azala qui. Koto sans embêter. Parce qu'Israël ne craignait point Dieu. Il marchait selon sa propre voie. Nous avons lu dans Jean. Tout en guin à Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 27. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Hein? Amen. Ici, nous écoutons. Bible est la Bible nous démontre. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Ok, Israël. Oh, Israël. Mouvement, oh, yo, Samuel Azalek Kosala. Le mouvement que Samuel est en train de faire. Dans mon temps, Bengaye. Lorsque Dieu l'appelle. Samuel Azalek Koyokate. Samuel n'écoutait pas. Parce que. Azalaki prébit en coloté. C'était pas un prébit. Na maman Wana Samuel. En ce moment, Samuel. Ils ont présenté Israël. Qui représentait Israël. Avant, Yoka Maman Wana Zambete. Parce que Kolo Lobi. Parce que Dieu dit. Les prébits attendent ma voix. Mes prébits entendent. Et il me suit. Et il me suit. Ok, Israël. Oh, Israël. Vous m'avez Samuel à l'Ossala. Ce mouvement que vous êtes en train de faire. Avant, Kolo Kamo Maman Wana Koloté. Vous ne pouvez pas écouter la voix du Seigneur. Maman Wana Kolo. La voix du Seigneur. Et puis Samuel qui a abîmé ma prébit. Il y a mon quatrième mouvement dans ma zone. Voilà pourquoi le quatrième mouvement. De l'habitude de Christ à l'Oba. Nous voyons que lorsque Christ se dit. De l'homme Eli. On enlève Eli. D'autres Christ. On met Christ. Oh, à Zoloba. Qui dit. Na Samuel. Qui dit à Samuel. Mais à nous l'église. Mais c'est nous l'église. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Si tu entends cette voix. L'Oba qui est. L'éternel. Dit l'éternel. Parle. Parle. Ton serviteur, écoute. Dans zomba, lorsqu'il retourne, dans mon zamba zombenga, lorsque Dieu regarde, Samuel a saisi maintenant. Samuel a saisi. Il répond. Parce qu'il y a qui mon gongo. Parce qu'il écoute. Oh, Azor mon gongo. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. Oh, dans l'Oba. Nous disons. Et voici. Me voici. Parle. Parle. Parce que ton serviteur écoute. Et Zalaka de Bisso. C'est nous. Oh, ton Zalaka. La écoute. À l'écoute. Et pas Yanzambe. De Dieu. De l'Obi Jambé. Jamais Zoloba. Zamba parle à Katanto d'une manière d'une autre. Mais l'homme à Zalaka, quand tu fêtais. Israël. Dans mon Zamba Lobaka. À Zalaka, quand tu fêtais. Mais Bisso Zambé dans la Lobaka. Ton Yoka Kaye. Parce que ton Yoka est mis au Mangonaye. Mais Bébé attend ma voix. Et il me suit. Zambé dans la Loba. Lorsque Dieu parle. Balobina songe. On dit à Jean. Balobina vision. On dit par là. Oh, que véritable songe. Véritable vision. Et ça la canne parole en Zambé. Et ça la canne commis en Zambé. Tant que tu es en
Nanga. Toko, tozalaka na facilité. Ya koko pona mongongo nkolo. Toyebi ke kolo azoloba. Mais Israël, tanga tanga. Atika na lettre. Azo comprendre te. Parce que Nzamba randa est chassé. Amen. A comprendre te. Il va pas comprendre. Quand tu parles pendant ok, la Bible est à la candote en Zambé. La Bible est à la révélation en Zambé. La Bible c'est la révélation du Seigneur. Et c'est ma carte à ça demande à ses enfants. Quand on a pas prévu, car c'est vrai. Quand on a parole, lorsque nous lisons la parole, toi et moi, nous voyons Dieu. Mais tant que tu es côté dans la profonde, lorsque nous rentrons, toi et moi, nous voyons comprendre que ça, c'est le Père. Ça, la voix du Père. La voix du Père. Nous écoutons. Nous sommes fiers. Aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à ses enfants. Amen. 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 Dieu. Ça va donner à nous ses enfants. Tout en qui Marc 9, nous avons lu Marc 9, 7. Marc 9, combien? 7. Marc 9, 7. Marc 7, c'est ça? Marc chapitre 9. Ah oui, merci, 7. Okay. Verset 7. Ok. Une nuée vint et se couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Mais bien-aimé. Balobi. On dit. Bon, mon moisson gang à l'icolo. La foi qui crie. Oh. Que celui-ci est mon fils. Mais bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Israël. Israël. De la vie savoir. Nous disons savoir. Dans ma kendaki. Lorsqu'il partit. Ayoka mon mongote. Il n'écoutait pas la voix. Parce que Zalaki fils. Parce que c'était le fils. Oh, ton loba la quatrième. Nous disons le quatrième. Bazo loba. Qui dit. Kende. Vas-y. Cette fois-ci, mon gongo Oyoka, la voix que tu vas entendre, le baki mokolo, dit ton serviteur écoute. Seigneur, ton serviteur écoute. Kakabiso, notre gars, Kalananzele a fils, par le fils, Nedo Yoka Kamongongo, nous écoutons la voix ya papa. De papa. Le fils. Nous obéissons au fils. Parce que yen de bouta même mis au prêt à paix. Parce que c'est le fils qui nous emmène au prêt du père. Sans le fils. Ton nom on n'a pas parti. Dans le papa, dans le père. Ton mon papa. Nous avons vu le père. L'ancien est fils. Par le fils. Si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous avons les Christ en nous. Nous avons les fils. Nous avons le oh la même macabre auprès du Père. Celui qui nous emmène. Nous avons besoin de ça là. Tout ce que nous faisons. De ça là, par le fils. Nous le faisons par le fils. Qui est en nous. Mais bien-aimé. Bien-aimé. Je vais exhorter le peuple de Dieu. Quelle voix tu écoutes? Oto sakanani. Tu obéis à qui? Oto sakanaba pasteur. Tu obéis au pasteur. Oto sakanaba évêque. Tu obéis aux évêques. Oto sakananani. Tu obéis à qui? Tant que bana na nzambe. Et tant que bon Dieu. Oto yoka oto sa. La personne que tu dois obéir, c'est le fils. C'est le fils. Yoka kamungwa fils. Écoute que la voix du fils. Zala paysa paya fils. Son pays sont près du fils. Linda yoka. Fils. Cherche à écouter le fils. Quand il y a vous orienté auprès du Père. Rien de lui fils, si tu n'écoutes pas le fils. Aux orientations, tu es auprès du Père. Tu n'auras pas eu l'orientation auprès du Père. Quand on a dit la fils. Que par le fils. On nous a pas salé son colo. Que Dieu nous a fait grâce. Il est dans un pont. C'est lui qui est le pont. Où ils ont même mis auprès du Père. Qui nous emmène auprès du Père. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ton ennemi, tu vas nous dire. Sepelisa motema nanga.